Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition qu'on démarre par ce communiqué du gouvernement qui va être lu par Sékouba Savané, le directeur général de la RTG. Monsieur Savané, bonsoir. Bonsoir, Makale. Plutôt, le communiqué du Rassemblement du peuple de Guinée arc-en-ciel. Communiqué de presse du RPG arc-en-ciel. À la suite des conventions nationales de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, le 3 août 2020 au jardin du 2 octobre, et de celle de notre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG arc-en-ciel, qui s'est tenu les 5 et 6 août 2020 au Palais du peuple à Conakry, nous, parti de la majorité présidentielle, parti allié, mouvement de soutien, sympathisants et population, tous favorables à la candidature du président Alpha Condé, avions invité le chef de l'État à briguer un nouveau mandat, comme l'autorise la nouvelle constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020. On ne peut pas progresser en ignorant les morts. C'est pourquoi aujourd'hui il a voulu à ce que l'on honore la dignité de tous ceux qui sont morts, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvaient. Donc ce ne sont pas que les éléments qui étaient avec lui, mais ceux contre lesquels il se battait. Tous ceux qui sont morts ont été décorés. C'est le président en personne qui a accroché la décoration de feu colonel Yemoiba Camara. Donc ça veut dire que c'est toute l'armée guinéenne. Les heureux bénéficiaires d'aujourd'hui se retrouvent dans toutes les unités. Il y en a qui sont de Bata, il y en a qui sont de... Mais il y a même des civils là-dedans. Tous ceux qui ont trouvé le sacré, la mort ce jour-là du 5 septembre, ils ont été honorés aujourd'hui. La leçon dans tout ça, c'est que nous devons être ensemble. Nous devons accepter de lire notre histoire, si douloureuse soit-elle, et pour aller vers l'avant, en se disant la vérité, et en allant toujours vers ceux qui ont eu à faire des sacrifices ultimes. C'est ça le message aujourd'hui. Auteur, co-auteur et complice du coup d'État constitutionnel de 2020 en République de Guinée. Liste définitive, acte 1. 1. Mohamed Diané, ministre de la Défense nationale. 2. Ibrahima Kassori Fofana, premier ministre. 3. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence. 4. Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie. 5. Banta Masso, ministre des sports et de la culture. 6. Lansana Komara, ministre secrétaire général du gouvernement. 7. Amadou Damaro Camara, député. 8. Amara Sompare, ministre de la communication. 9. Baïdi Haribo, vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. 10. Aboubakar Makissa Camara, directeur national des impôts. 11. Mouktar Diallo, ministre de la jeunesse. 12. Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. 13. Boubacar Bari, ministre du commerce. 14. Ismaël Doubaté, ministre du budget. 15. Aloussène Makane Rakake, ancien ministre. 16. Professeur Zegbelebou Toba, universitaire. 17. Toumani Sangaré, directeur général des douanes. 18. Bourama Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. 19. Papa Koli Kourouma, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. 20. Rachid Ndiaye, ministre conseiller à la présidence. 21. Aboubakar Silla,
ministre des Transports. 22, Albert Damantan Camara, ministre conseiller à la présidence. 23, Diakariou Koulibaly, ministre des Hydrocarbures. 24, Dr Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. 25, Édouard Nyakouelama, ministre de la Santé. 26, Frédéric Loi, ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie Maritime. 27, Aboulaye Magasouba, ministre des Mines et de la Géologie. 28, Sekouba Savané, directeur général de la RTG Koloma. 29, Genesaran Kamara, député. 30, Djalikatou Diallo, député. 31, Mohamed Lamine Kamisoko, député. 32, Bani Sangaré, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs. 33, Mamadi Touré, ministre des Affaires étrangères. 34, Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. 35, Thibou Kamara, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises.